Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'analyse musicale Écoute ça. Nouvelle vidéo de réaction, donc sur un morceau qui m'avait envoyé lors de la première vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était Karen qui m'avait proposé de m'intéresser à la chanson Hurt d'Arlo Parks. Alors je rappelle le principe, hein, ces réactions-là sont des réactions en direct, c'est donc non préparé. Je connais pas le morceau, donc c'est l'occasion de le découvrir. La seule chose que je fais avant de traiter les chansons, en fait, c'est simplement de les télécharger sur YouTube. Donc ça me permet juste d'avoir un petit aperçu du nombre de vues qu'elles ont, ce qui va permettre quand même d'avoir un petit indice sur la notoriété de l'artiste. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est donc une vidéo qui frôle le demi-million de vues. Donc succès, un vrai succès, ça me ferait plaisir d'en avoir autant, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus à la mode du monde, j'imagine, en tout cas, enfin, c'est pas un truc qui se partage à 20 millions, 30 millions de vues, et donc bah, je vais découvrir ça avec vous, et puis je ne sais pas à quoi m'attendre, donc on va voir, j'espère que bon, je pense que ça a changé du rock et metal que j'ai eu la dernière fois, donc allons-y. Ok, première pause. Alors, le riff de basse derrière est plutôt sympa, là, donc... Et ça va aller... À chaque fois, on va aller chercher cette petite réponse. La mélodie de basse, en fait, elle tient sur trois accords. Et derrière, à chaque fois, il va y avoir ce... qui revient à chaque... qui on va aller chercher ces deux notes, en fait, à chaque fois. Donc plutôt sympa comme riff de basse. Et puis bah surtout c'est très nu en fait. Moi c'est ce qui m'interpelle là, c'est que du coup c'est très très creux. Il y a le chant, alors elle a une voix superbe, hein, ça, il n'y a pas à discuter. Très belle voix. Et derrière, bah en fait, la basse va laisser beaucoup de place. Et si je me suis arrêté à ce moment-là, c'est parce que j'ai entendu deux trucs intéressants. D'abord, le premier, c'est que il y a. Ce qui va permettre de faire de l'habillage à cet endroit-là, c'est que on a quand même besoin, pour que ce soit riche harmoniquement, de faire des accords. Là, on a des notes séparées. Une chanson qui repose sur une note, ça existe, bien entendu, mais ça va manquer de diversité. Donc, l'intérêt, c'est d'aller faire des accords qui vont mêler les notes entre elles. Et là, on a un accord qui est réalisé par les chœurs. Et dans les chœurs, alors, j'ai pas l'oreille absolue, donc je peux pas dire, ah tiens, là, il y a une septième, il y a un truc. En tout cas, c'est l'harmonie qui est choisie à cet endroit-là est vraiment très jolie. Et puis surtout, si vous faites attention, vous allez voir, il y a un saxophone qui arrive en même temps, enfin qui arrive derrière la fin de la partie de chœur. Et ce que je trouve super joli, c'est que les deux se mélangent. Les voix partent pendant que le saxophone arrive, et on a tout un moment où les deux se joignent comme ça, et c'est très très beau. Donc on va juste se remettre ce petit passage-là. Vous allez voir, c'est très très joli. Voilà. Très très beau. Ah, une guitare qui va doubler. Donc c'est joli, hein, le mélange entre les voix et puis le sax qu'on entend maintenant plus fort. Au niveau de la voix, c'est marrant parce que c'est un mélange, je trouve, entre... ça me rappelle à la fois Billie Eilish, que j'aime énormément, et un petit peu aussi la voix de... c'est les Cardigans. Les Cardigans, il y a un mélange en fait de ces deux voix-là. Je sais pas, il y a un petit truc qui ressemble fort. Donc là, c'est de la trompette cette fois-ci. Yeah, wouldn't it be lovely?
Très très joli. C'est très joli, le tempo est sympa. C'est à la fois assez lent et pas trop non plus, ce qui fait que c'est juste ce qu'il faut pour être pour se sentir bien. Said my clothes are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt. Il y a un gros boulot sur les textures. C'est impressionnant. Eh ben c'est beau, c'est un gros boulot de texture, donc ça confirme ce que je disais au début, c'est-à-dire que la musique, en fait, il y a une boucle sur le thème de basse, donc il y a trois notes principales en fait pendant toute la chanson, et avec cette espèce d'habillage là, le ta-da. Et en fait, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs que j'ai essayé de repérer s'il y avait une logique dans le pattern, parce que il y a un moment où on entend un slide, c'est-à-dire que la note est attaquée d'en dessous, et avec on va venir la glisser, il y a, quand on entend la basse isolément, elle fait, bah en fait, en gros, là il y a pas de slide, elle recommence, pas de slide, et puis il y a un moment où elle fait un slide, et c'est sur la dernière note en fait du groupe, et je pense que c'est quelque chose fait à dessein. Quand on enregistre une partie de basse ou une partie de guitare, peu importe, ce genre d'effet de jeu, quand on décide de le faire à tel endroit et pas à un autre, c'est que c'est volontaire, et c'est le genre de petit détail, moi, qui m'accroche l'oreille. La guitare derrière, elle aussi va faire du slide, mais ce qui a vraiment d'intéressant, c'est tout ce boulot sur, oui c'est ça, sur les textures entre les cuivres, le chant, les chœurs, la guitare derrière qui a un gros effet de réverb, etc. Enfin, c'est quelque chose de super voluptueux en fait. Et si on additionne ça avec le tempo tout tranquille, tout posé, c'est un vrai petit truc, on est dans un cocon, et c'est très très agréable. Alors je sais pas du tout, je me suis pas concentré sur les paroles malheureusement, j'espère que les paroles sont au niveau aussi, mais en tout cas c'est une très très belle chanson, ouais. C'est très très beau, et bah oui, ça donne envie d'en découvrir un petit peu plus. Arlo Parks, je vais retenir son nom. Bah c'est très cool. Donc merci Karen de l'avoir proposé, et puis si vous avez envie de me voir réagir sur d'autres morceaux, bah n'hésitez pas, vous mettez le nom du morceau dans un commentaire en dessous, mettez pas de lien vers des vidéos, sinon les commentaires sont bloqués, c'est un peu bête. Donc mettez simplement le nom du groupe et le nom de la chanson, et puis j'essaierai d'aller jeter un œil. Voilà, merci à tout le monde, et puis surtout n'hésitez pas à aller regarder les liens en dessous pour aller découvrir le podcast si vous me découvrez par YouTube, et puis on se retrouve très bientôt. Salut !